Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout Tactics. Donc nous nous étions quittés après avoir fait les deux missions qui étaient proposées dans cette nouvelle base. Et là l'idée c'est d'aller voir ce que nous réservent les prochaines aventures. Tramis Stitch en a combien? 18. L'idée, parce que clairement j'utilise des trucs là. C'est pas génial dans la mesure où c'est vraiment lui qui est le meilleur là-dedans. Bon, l'antidote à la limite, je peux garder. Mais on va optimiser. Okay. Étant donné que c'est quand même lui le doc et qu'il y a plus d'effets. Même plus d'effet, on va dire, de son Steam Pack, c'est lui qui les utilise. Donc là, ok. Ensuite, je vais juste vérifier. Non, ce personnage que je... Terme d'armure. Ça a été bon, Stitch est bon. Kevin, Jack, c'est Joe. Toujours pas la bonne armure. Du coup, je vais en acheter une nouvelle. Avant de lancer la prochaine mission. Faire du troc donc ah oui c'est vrai que j'ai pas vidé mes sacs. Bah du coup vous allez assister au vidage de sacs en direct. Donut hein. Psycho, je dis jamais le psycho, je le garde quand même, il faudra que je le fasse un jour. Fusil M14, je vais en vendre un, ça rapporte rien, en plus ça prend du poids. Très bien, donc là j'ai combien, il m'en faudrait 3. Ouais, de toute façon après je m'en fous un peu, enfin je m'en fous dans la mesure où de toute façon c'est plus ou moins mutualisé. Ouh, une armure métallique, putain c'est bon ça. Du coup je vais peut-être juste en prendre 2. Une armure métallique. Putain, j'ai pile poil d'argent qu'il faut. Est-ce qu'on aurait de nouvelles armes qui seraient apparues? Non, fusil de chasse. Ça a l'air d'être toujours un peu la même chose. Bon, très bien. Offrir. Ok. Donc. Ouais, effectivement, je dois être un peu. Ah non, je peux surcharger en fait. Donc là, on va lancer. Hop. Une ici pour Jax. Ah non, merde, ouais, c'est pas grave, ce sera Jax qui aura l'armure. Renforcer. Moi. Comme je suis un connard. Ah, ça sera pour moi. Ouah, j'ai une cape et tout, la classe. Joe. Je l'ai pas acheté. Joe va aller récupérer ça. Parfait. Ok, ensuite, qui c'est qui a des trucs avant moi? Qu'est-ce que lui il a des trucs? Ça, ça. C'est toujours la misère en fait, ce gars. Tu troques. Je pense que t'as des trucs un peu plus intéressants à vendre. Bon, je garde deux. J'ai un César aussi. Du coup, ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre aussi. Ça aussi, 45. Ça, on peut garder. Du coup, est-ce que j'achète en termes de munitions? Je suis à quoi là? 168.
presser, je pense. Bon, pas mal d'explosifs quand même. Est-ce que j'achète un peu d'antidote? Si je prends tout l'antidote. Ça coûte cher. Ouais, ça peut servir. Très bien. Ensuite, Stitch. Stitch, il doit avoir des trucs à vendre. Voilà, il y a des couteaux, des couteaux, des couteaux, des couteaux. M16-1, j'en ai déjà un là-haut. Coca-Cola, Trust Pack, fusil à pompe, grenade, tout ça je garde. Ouais, ça peut toujours servir. Super Steam Pack, griffe, ça, Beretta, je vends. Ça, je vends. Ça, je peux garder. Ok. Offrir. Ok. Jax, qu'est-ce qu'il a? Jax, il a plein de trucs aussi. Bon, vaut mieux vider les sacs. Sinon après c'est la misère quand vous allez en mission. Vous avez trop de poids. Ouais, j'ai ça aussi, j'ai de nouveau des amorceurs à prendre. Ouais. Tout ce qui est bouffe. Ah, en fait j'avais que de la bouffe. Très bien. Et enfin Joe, elle a que dalle. C'est très bien à part son armure que je vais quand même jeter. Et le nouveau désamorceur, c'est qui? Ah bah si, c'est... Faut que je le donne à Farsight. Ok. Merde, non, ça n'a pas été vendu. Hein. Offrir. Ok. Jax, il faut que je lâche ça. Si, ah si, je sais ce que je pourrais acheter avec Jax. Ce serait un... Une munition de missile. S'il y en a qui traînent, au moins un, parce que ça pourrait me sortir arme lourde. Ah non, munition. Ah, ils vont pas. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ok, Farsight. Bon, je l'ai envoyé là. Très bien. Et bah c'est parti pour la prochaine mission. Donc on va aller voir le chef. J'y vais tout seul. J'ai trop la classe maintenant avec ma... Avec ma superbe armure métallique. C'est-à-dire que je risque d'en chier un peu plus sur la prochaine mission, clairement. Toujours blesser le général. Il faut qu'il pense à aller paladin Yann solo. Repos, guerrier. Récemment... La ville de Quincy a émis une demande de protection à la confrérie afin que nous la protégions d'un groupe de sauvages appelés les Belluaires. Cette menace est unique en son genre, car les troupes de ces pillards comprennent diverses créatures du désert, en particulier de redoutables écorcheurs. Les écorcheurs. L'assistante du maire, Arlene Turling, nous a averti que les Belluaires ont pris le contrôle de certains quartiers de Quincy et qu'ils utilisent des otages pour s'assurer le contrôle du reste de la ville. Nous avons de bonnes raisons de croire que le maire Hilary Eastwood fait partie de ces otages. Votre mission consistera à sauver le maire et à aider à l'élimination des Belluaires. Le sauvetage du maire devra être votre première priorité. Après ça, vous pourrez décider de la meilleure façon de reprendre la ville aux pillards. Souvenez-vous que nous voulons que Quincy s'allie à la confrérie. Alors, il faudra faire tout votre possible pour que la ville reste intacte. Encore une chose. Quincy abrite aussi bien des humains que des ghouls. Bien que la majorité de nos anciens considèrent quasiment les ghouls comme nos égaux, je n'approuve pas ce choix. De toute façon, l'expérience m'a appris que des tensions raciales existent dans la ville de Quincy. Assurez-vous que votre escouade reste concentrée sur ses objectifs en dépit de telles distractions. D'accord. Un peu raciste. Un peu goulophobe, je dirais même.
Bah allons voir ce qui s'y passe à Quincy. Ces fameux belluaires. Allez la team en avant. On va aller à Quincy. Quincy qui est quand même vachement au sud. Non, pas de rat scorpion. Toujours pas de rat scorpion, mais j'ai envie de te dire que toujours pas de belluaire non plus. Ni des belluaires. C'est quand même top d'éviter toutes ces. Ah bah non, des fois c'est pas possible. Top! Putain, 33 points d'expérience quand même. Là, c'était des belles UR. Hein. Putain, on va en chier. Moi, je suis dans la voiture. Là, tu avais rien de. Il y a du rat de scorpion ici. Ok, écorcheur. Écorcheur essaie de retenir ses entrailles en agonisant. C'est bon ça. C'est trop top. Franchement, le véhicule commence à faire de l'expérience sans rien foutre. Ah, finalement, j'ai peut-être accepté de refaire ces rencontres. C'est prolifique. Contre 135 points d'expérience, c'est-à-dire qu'ils doivent être bien costauds à buter les écorcheurs. À mon avis, je vais en chier un peu quand même. Allez. Alors, voyons voir les belluaires à quoi ça ressemble. Non, mais genre, les belluaires, c'est des guêpes. Allez, je suis en mode snipe. Ah, il tire plus, pourquoi il tire plus? C'est top. Je peux pas l'écraser la voiture. Pourquoi personne peut l'attaquer? Il t'y met 0 points de dégâts. Très bien. Si je descends, ils ont quoi sur eux les belluaires hein? Ok, bon, je prends. Ah merde, j'ai fouillé deux fois le même. Bon, apparemment, ils ont quand même pas des trucs de fou. Eh bah, tant mieux. Fais un peu d'expérience. 73 points de dégâts. Mais là, je suis bloqué. Marche arrière. Est-ce que je peux aller à Quincy, bordel? Bon. Repos, guerrier. Ah ouais, ça c'est bon, je le sais déjà. Alors la carte. Point d'insertion. Établissez le contact avec le maire. J'ai là travaillé avec les autorités, très bien. Ok. Ok, Quincy dispose de plusieurs fermes satelliques. Ok. Le bordel, ok. Ok, héros, une vieille église. Et bah très bien. Donc c'est ici qu'on arrive. Parfait. Les écorcheurs, je les prends, je les démonte. Bonjour Arlène. La déesse soit louée. Vous voici enfin. Ces sauvages ont capturé Madame le maire. Elle est enfermée dans la grande maison juste devant nous. C'est également dans ce bâtiment que se trouve la sirène d'alarme de la ville. Les belluaires ont menacé de tuer tous leurs otages si la sirène se mettait à sonner. Le sauvetage d'Hilary doit être votre priorité. En tant que mère, elle est la seule à posséder une clé pour désactiver la sirène. Soyez prudents.
Il y a au moins deux de ces sauvages dans la pièce où elle se trouve. Ok, merci pour les infos. Gentille demoiselle. Bon. Eh ben, ce qu'on va faire, on va y aller en mode discrétion. Donc surtout, il faut pas faire trop de bruit. Elle est où ici, je pense. Hein. Elle doit être pas ici. Bon, on va essayer d'être prudent, bien sûr. On est toujours prudent. Faire une petite sauvegarde. Début de mission. Et donc, on va continuer l'exploration de la zone. S'il n'y a rien. Ici, il y a du BDR. Putain, 237 points de vie, mec. Un civil mort. Très bien. Ensuite on va aller là. Donc là il semblerait qu'il y ait une accessibilité vers le... Ah la sirène est là, ok. On peut monter là-haut. Ça veut potentiellement dire que ça doit être gardé. On prend pas trop de risques en disant ça. De toute façon l'idée c'est d'éliminer... D'éliminer toute menace. Okay, donc là, pour éviter de passer par là encore une fois, vraiment faire le tour, essayant d'être le plus discret possible. Donc là, on va prendre Stitch, faire ça. Probablement Jax pour faire le boulot. Ouais, c'est la nuit, donc du coup j'ai une mauvaise visibilité. Ok, très bien, c'est pas grave. On va prendre Jax. Et eux, pour l'instant, ils vont se mettre en stand-by. Donc on va la jouer comme ça. Donc l'objectif, c'est vraiment d'éliminer la menace au niveau de la sirène, puisque comme ils l'ont dit lors du briefing... Enfin, pas du briefing, mais la gentille demoiselle qui m'attendait ici. Si ils entendent la sirène, bah je vais en chier. Donc, comme ce qu'on va faire une petite sauvegarde également. Et hop, moi je vais commencer à aller en mode exploration là-haut. On va voir un peu ce qui s'y passe. Là, ça doit être la mer qui est ici. Mais là, c'est même pas gardé en fait. C'est bon ça. C'est très bon. Ouais, bien oui. Mais... Merde, pas possibilité de crocheter. Il ne se passe rien, c'est même pas un échec quoi, c'est que je peux pas le crocheter. Merde, j'avais la discrétion. Il ne se passe rien. Claire, ouais, merde. C'est dommage. L'idée était bonne. Le contenu beaucoup moins. C'est pas grave, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre d'un niveau. Est-ce qu'il y a que ces deux gardes là? Ok, l'alarme est ici, d'accord. Donc là. Okay. Commandant indemne. Ok. Hop. Est-ce que seuls les bruits vont les alerter?
côté. Comment ça se passe dans ce cas-là? J'ai pas suffisamment. Est-ce qu'il n'y a pas un... comment dire, une zone d'électricité, parce que ça a l'air de tourner en électricité, que je pourrais faire sauter. Sinon, mon pipeau, il est où? Est-ce que j'ai la carte? Bordel, le salon. Ah oui, ici là, c'est potentiellement une centrale électrique, non? Vu le bruit que ça fait. Écoutez, on va la tenter. Je vais aller voir ce qui se passe là. Du coup, je vais peut-être rapatrier Stitch et Jax. Je vais me laisser ici, moi, en mode de... je surveille un peu ce qui se passe. Mais ouais, ça peut être la centrale. Donc si je si je désactive, je raconte peut-être des conneries. Hein. Ce serait pas la première fois, mais bon, ça vaut le coup de. Ça vaut le coup de s'y essayer, ma foi. Si est-ce qu'il y a des trucs à fouiller. A priori, il n'y a rien. Ok. Je pense que ça peut valoir le coup. On entend un peu des turbines. Pourquoi pas, on va aller voir un peu. Je vais faire ça avec ton éclaireuse. Un éclaireur peut-être. Essayez de voir. Il y a bien un générateur. Est-ce que ça peut être désactivé? C'est la grande question. C'est la grande question. Première vue, je dirais non. Ça n'a pas l'air d'actualité. Alors, essayer d'avancer. Mais on a vu ce que ça faisait la dernière fois. Et puis les alarmes, il y en a deux qui sont proches. Quoi. Donc, à mon avis, au moins deux coups de feu. Ce sera mort. Ah, si, il y a un commutateur. Par contre, ouais, bien sûr, ouais, ça serait clair, je peux prévoir. Tac, Farsight. Si je tape dans le commutateur, est-ce que ça débloque tout? Ça éteint la lumière. Pas trop si ça va m'aider, mais... ça me garde. Hop. Oula, attention. Commandant, là il y a un civil. Ok, ouais. Ouf, c'est un peu... hein? Qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est parce qu'ils m'ont vu, je pense. Ouais, c'est parce qu'ils m'ont vu, je pense. Ok. Ça, il y a des otages, en fait. D'accord. Donc là, il y a des otages. Donc, ok. Donc, otages... il va falloir vraiment du secours. Je pourrais pas gérer à deux. C'est pas trop grave qu'il manque de discrétion. À la limite, je m'en fous un peu. Mais par contre,
leur soutien dans l'opération. Il y en a deux ici, certainement. Ah, lui, je peux lui parler. Ok, très bien. Les deux sont là. Donc l'idée, ça va être de la désinguer. Hein, de toute façon. Ça va être de la désinguer. Ouais, donc là je suis intervenu. Oh, cette opération commando. Bon, certains civils sont morts malheureusement. Mais bon, ils sont libres. C'est dommage, mais c'est le prix à payer. Bah, j'espère aussi, je te le dis. Moi j'ai eu même pas de dégâts, c'est parfait. Par contre, ce qu'il faut que je vois, c'est qu'il va falloir que je fasse péter les ventilos, mais ils sont devant. Donc. Et ça, honnêtement, ça m'emmerde un peu, parce que je prends une étude. Donc là, il y a un piège télécommandé. Oh putain, ouais. Voilà, ici. Je sais pas pourquoi je pouvais lui parler à lui. Donc là en tout cas c'est tout nettoyé. Ok, donc là c'est parfait. Par contre, comme je l'ai dit, donc les générateurs. Si je pète le générateur, moi, la sirène ne devrait plus fonctionner, on est bien d'accord. Je suis à combien? 70? Je sais pas si ça va marcher. Toujours des petites sauvegardes comme ça, quand c'est des coups un peu foireux. Ouais, c'est pas super impressionnant. Alors, ce qu'on va faire, c'est un piège. Ce que tu vas voir. Échec. Donc on peut éventuellement le désamorcer. Est-ce que c'est de l'échec ou désarmé? Ok. Vous le récupérez quoi? Piège télécommandé. Putain, ça c'est top. Désarmé, putain, parfait. Donc là, les civils sont sauvés, mais honnêtement, ça me fait un peu chier parce que j'arrive à péter les trucs. Bon, donc là, on va dire que c'est occupé, c'est fait.
commutateur, c'était juste pour la lumière. Donc là, on va faire monter Joe. J'ai tenté un truc marrant avec... Ok, hop. Donc ce que je vais essayer de voir, c'est si Kevin il peut faire un truc sympa et l'éclater avec sa masse en mode furtif. Ok, donc c'est vraiment de la merde. Attends, je sais pas comment faire avec lui. C'est... c'est compliqué. Alors, je vais recommencer. Je vais me mettre en mode défense à distance. Voilà. Objectif accompli, sauver le maire. Bon bah écoutez, si c'est accompli... C'est accompli, hein. Hop. On va quand même aller voir ce qui se passe en dessous, puisqu'elle est là, la maire. On a toujours le problème des belluaires qui sont ici, quoi. Donc l'idée, je pense, c'est qu'elle va me filer la clé pour éteindre l'alarme. Si je me souviens bien du brief, hein. Je vais vérifier qu'elle est bien toute seule en bas. Pourquoi il a tiré? Je voulais pas tirer. Bon, en tout cas, putain, merde! Ah, c'est moche, je voulais pas tirer. Je me suis trompé comme une merde. Bien fait pour ma gueule. C'est pas possible d'être aussi mauvais quand même. Allez, on va la faire autrement cette fois-ci. Ikala et Joe ici quand même en mode. Voilà. Comme ça, il est bloqué et il ne pourra rien faire. Donc ok, la mère a été sauvée. Donc elle doit être ici. Déverrouillé, très bien. Merci de m'avoir sauvé. J'ai cru comprendre que la confrérie était intéressée par une alliance avec les habitants de Quincy. Nous sommes confrontés à 3 autres prises d'otages. Alors faisons un marché. Ma fille est retenue prisonnière à l'hôtel de ville sous la surveillance d'écorcheurs. Vous devez trouver un moyen de la sauver. Si elle meurt, vous pourrez rentrer directement chez vous.
plusieurs habitants sont détenus dans la salle qui abrite le générateur électrique de Quincy. Il faut les libérer sans endommager la machinerie. Okay. Enfin, le héros de guerre le plus expérimenté de Quincy, Felix Stiles, a été enfermé dans la caserne. Il représente beaucoup de choses pour moi et pour le peuple de Quincy. Vous devez le sauver. Prenez cette clé. Elle désactive la sirène de la ville. Cet objectif est prioritaire, sinon toute la ville périra. Je sais que je vous demande beaucoup, mais il n'y a pas d'autre solution. Vous devriez vous mettre au travail tout de suite. Ça me fait pas peur. Ok. Donc là, j'ai récupéré la clé. Donc ça, c'est parfait, puisque là, je pourrais aller la désamorcer. C'est ça, la... Comment dire, désactiver plutôt. Et le plus drôle, c'est que j'ai quand même failli faire péter les générateurs, ce qui m'aurait foutu dans une merde pas possible. Alors autant sa fille, il faut la sauver tranquillement, autant les habitants, elles s'en pètent le coquillard quoi. C'est bon, ça marche plus. Je suppose que ça ne marche plus. Ok, donc là on va faire comme ça maintenant. Bâtard. Hop, sauvegarde. Mais bon, à mon avis, ça dure. Donc très bien. Donc là, l'objectif, ça va être d'éliminer les deux sentinelles. Ok, lui il est mort. Attaquer. Mais je suis toujours infirme. Donc là, il va falloir que je fasse médecine. Puis tu as besoin d'une sacoche de docteur. Une sacoche de docteur, est-ce que j'ai ça? Pour ce temps la vie sa vie hein. Est-ce que j'ai une sacoche de docteur? J'ai pas l'impression. Si. Ça. Eh ben. Bon là on a les deux bestiaux qui sont là. Ouais c'est des écorcheurs, les écorcheurs là c'est toujours les pires. Donc il va falloir organiser une technique. Une technique pour les intercepter hein, parce que... C'est quand même une sale race cette bestiole. Moyen de s'en passer, on s'en serait passé, je vous le dis. Ok, trop tard. Ah merde. Je pouvais les niquer de là où j'étais, putain, c'est con ça. C'est de trouver une.
comme je dis, ça pique bien, quoi. Wow. C'est la première fois que j'en rencontre dans le 2. Et c'est que les bébés, hein. Là, j'ose pas imaginer ce que sera le gros. Attends, attends un petit peu. Joe est toujours par terre. Reprends ses esprits doucement. Cette bug est à porte. Voilà. Ok. Eh ben nom de Dieu. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué, honnêtement, ici. Hein. Bon. Eh ben, on a nettoyé ce bâtiment. Ça, c'est déjà pas mal. Donc, si on résume ce que nous a dit la mère, donc il existe... deux autres endroits où il y a des otages, en sachant que j'en ai déjà nettoyé un, qui est la partie du générateur, puisque à la base, donc au niveau du générateur, il y avait des otages, et l'objectif le plus important pour le maire, je le rappelle tout de même, était de ne pas détruire les générateurs. J'aurais pu bousiller, laisser crever les civils, alors on n'avait rien à carrer, mais par contre faire attention aux générateurs. Donc, du coup, j'ai réussi la mission, puisque j'ai même sauvé des civils. Si j'ai oublié d'y aller. Et voilà. Hop, attendez, téléphone.